Wesh les palos, au Stade Abloves 2003 avec. Swag. Et aujourd'hui, un jour après l'unboxing à test de Mario Bros. Wii, que Swag a vraiment grave kiffé, mais de ouf, n'est-ce pas? Oui. Et ben, un jour plus tard, comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Windows 7 Saga l'édition, voici le colis qui contient, si je me trompe pas, le jeu avec Windows XP. Je m'en souviens plus, c'était quoi? Mais. C'était pas des millions de XP? Je sais pas. Ça peut être des millions de jeux XP, peut-être, je sais Ça se pas. trouve, c'est un autre jeu. C'est un jeu peut-être que vous avez jamais entendu parler, même moi non plus. Bon, et je crois qu'il y a des films avec. Bon, allez, c'est parti, on va buter le colis. Oh non, il est sérieux, il est en train de Allez, tuer le go. colis. Oh non. Parle pas, hein. Oh, il y a 5 items. Plutôt 5 boîtes. Allez, les millions de jeux XP, il est là, hein. Les films, on va les voir après. Voilà. Quand je le touche, on dirait qu'il est tout neuf. Regardez. The Hit Sega. Il est marqué sur la jaquette. Alors, c'est le volume 6, je savais pas ça. Alors là, il y a quoi? Sega Rally Championship et Sega Touring Car Championship. Filme le derrière. Attention, on se retrouve Maintenant, à le l'intérieur. CD. Oh boy. Deux Oui, disques? il y a deux disques. Ça, c'est Sega Rally Championship PC. Vérifions les états des disques. Il n'est pas très rayé. Mais l'état, il n'y a même pas une rayure ou une trace de doigt dessus. Et on dirait qu'il est tout neuf. À la caméra, ça ne se voit pas beaucoup, mais il n'y a aucune Ouais. rayure. Et vérifions le disque 2. Attends, chez quoi? Des millions de jeux XP niveau Sega Rally Championship, Sega Touring Car Championship, DVD. Ça doit être le disque des millions de jeux XP. Shareware. Et encore une Oula, il y a fois, quelques petites traces dessus. je suppose que c'est très propre. Il y a quelques petites traces. Là, oui, on peut voir un peu aussi la caméra. Allez. Alors, attendez, il y a quoi? Toutes les collections, des jeux logiciels, des jeux privilégiés. En collaboration avec Renault. Vous pouvez pause si vous voulez lire. Voilà. On ne voit pas très bien ce qu'il y a Ok. écrit avec la Ça, on caméra. va le tester sur Windows XP là-bas. Là-bas, bonjour. Ouais. Qui fait une copie depuis plus de 24 heures. Alors, on va le mettre de côté. On a des films maintenant, on en a Prochaine 4. Alors, jaquette. 10 000. J'ai jamais entendu parler de ce film. C'est 10 000 années avant. J'ai écrit. Je sais pas en fait. Ça a l'air à la préhistoire. Attention, on l'ouvre. Oh, Tiens. le disque est en Oula. loose. Au revoir le disque. Voici. Non, il lance sa lance. Quoi? Et pareil, l'état, il est tout neuf le disque. J'ai dit il lance sa lance. Allez hop. D'accord. C'est bizarre, Alors, c'est mais quoi c'est ça? vrai. Nouveauté. Oula. Oula, il y a un code. Oula, monsieur, vous ne regardez pas. Voilà. D'accord. Oula. Oula. C'est quoi ce bruit? Et ça, c'est un téléchargement définitif pour 10 000. Ah. Offert. Voilà. Mais par contre, il a C'est expiré. un. Il y a aussi un Il a expiré, Blu-ray. du coup, je peux vous montrer. Il est expiré le 18 février 2009. Du coup, on passe Ah, au film vous voyez suivant. déjà ce qu'il y a là-bas. On passe à Astérix et aux Jeux Olympiques qui vient. Ouh. Oh, il vient Dans un coffret, dans un édition 2 coffret. DVD. Avant JC, ok. Vous connaissez Astérix de toute façon, n'est-ce pas? Oui, normalement. Enfin, j'espère. Alors, là, c'est à peu près le même truc, hein, devant, derrière. Attention. Par là-là. Ok, deux disques encore. Y a un code. Alors, ça, c'est Astérix aux Jeux Olympiques pour jouer au. Sur mobile Au jeu? Quoi? et il y a le jeu sur par exemple Xbox, Wii, PlayStation, il y a même sur PC, tiens. Nintendo DS? Et regardez, il y a un ce jour enfant gratuit mais qui est expiré en 2008. Vérifions l'état du DVD à droite, parce qu'à gauche c'est le bonus. Bonus, mais on va Ça, quand c'est le même le film. voir. Regardez.
le derrière. Derrière, j'ai l'impression qu'il y a des traces. En espérant que c'est pas Je des crois que rayures. tu rêves. Non, ça doit être des traces. C'est des traces faites normalement parce que. Et là, c'est le Avec bonus. la fabrication. Ouais, y en a quand même des traces, mais il y en a moins. Attendez. Oui, c'est la même chose. Le devant, c'est la même chose. Ouais. Non, je rigole. Attention. Il y a un code là, je crois. Est-ce qu'il a expiré? Oui, il a expiré le 31 décembre 2020. C'est pas possible. Regardez. Oh, bonjour. Bonjour, monsieur. Je sais pas c'est quoi votre nom. Tout neuf encore. Ne hurlez pas dans les commentaires, Il n'y a hein. rien du tout. Du tout, dessus. Même pas une trace, même pas une rayure. C'est tout neuf comme Ne tout. me criez pas dessus en commentaire parce que je ne connais pas À le mon nom. avis, il doit être blisterisé avant parce que je sens les trucs neufs sur la boîte. Peut-être que quelqu'un a déballé le blister. Et ne me Voilà, c'est quoi ça? criez. Ah oui, j'ai oublié de les mettre. J'espère ne vous me Et criez pas dernier dessus. film, ce sont les 4 fantastiques et le surfeur d'argent. Non, pas À lui. mon avis, j'ai déjà fait regarder ce film peut-être avant. Il y a le surfeur d'argent sur Fortnite. Ok. Enfin, il est parti, mais saison 4. Alors ça dure combien? 1h28, ok. Et... Ok, il y a Bye. juste le disque. Par contre, je crois que. Oula, il est compliqué hein, à Oula, c'est sortir. quoi ça? On joue un truc. Je crois que c'est l'alarme. C'est normal. Oui, c'est l'alarme. Non, 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 ça doit Si, être si, autre si, chose. c'est l'alarme. Bon. On l'enlèvera plus tard. Allez. Le disque. Oups. C'est l'alarme pour pas qu'on vole ça au magasin. Oui. Et t'as neuf aussi. Regardez ça. Tout neuf comme truc. C'est un miroir. On a vu un tout petit peu ton visage. Voilà. Bon, bah, c'est tout, Voilà les powder, nous sommes de retour pour l'installation de des millions de jeux XP. Là, je filme avec le téléphone, hein. Je suis à une main. Du coup, ça va être difficile. Attendez. On met ça, non? oui. Et après le deuxième, je pense. Parce que ça, c'est plusieurs jeux, et ça, après, c'est un jeu. Monsieur, tu veux que j'appuie? Non, c'est bon, j'ai appuyé. Ok. C'est bon, il est mis. Oula. Oh la merde. Attends, monsieur. J'ai pas cassé, hein. Non, que c'est bon. On va le mettre. Là, Attention. il va faire quoi? Compilation de jeu. Je sais, gars. Ça va s'installer ou alors c'est ça se joue sur le disque? Attends. Compilation de jeu. Oh là, il y a beaucoup de jeux, hein. What? Je sais Regardez. pas. Je pensais que c'était pas beaucoup de jeux. C'est un DVD. Un DVD a beaucoup de contenu. Ah! Bienvenue à l'assistant. Sega Touring Car Championship. Il est conseillé de fermer tous les logiciels. Attendez, je vais filmer comme ça. Là, voilà. Suivant. Je vais pas le mettre dans C. J'ajoute un disque dur aussi. Je vais mettre E. 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 Jeu Sega Touring Car Championship. Ok. Suivant. Ne pas créer de dossier dans le mini-démarrer. Suivant. Suivant. Installer. Oula, waouh, comment c'est rapide, regardez-moi ça. Ah, ok. Terminé. Et regardez, il y a l'icône là-bas. On va le mettre dans le dossier jeu. Voilà. Et attendez, nous allons mettre le deuxième disque. Merci d'avoir acheté. Appuie sur installation pour continuer. Ok. Attends. E. Je. C'était quoi là? C'était Sega Touring. Ah, ok, c'est pas le même jeu. Je. Attendez. Je vais écrire.
Faut combien? 4, 40 mégabytes. Bon, ok. Ok. Attends. Directeur n'a pas été trouvé. Créé, oui. Ah, ok. Regardez comment c'est rapide comme installation. Voilà. Ok. Ce jeu installé DirectX 3, non, ne pas installer, non, non, j'ai déjà DirectX 9. Alors, il dit quoi? Installation complète, jouer aux sorties. Sortie. On se retrouve tout à l'heure pour le test du jeu. On va utiliser toujours le téléphone, on va filmer l'écran comme ça. C'est bon les potos, nous sommes de retour. On va maintenant tester des millions de jeux XP. Enfin. Alors, nous allons aller dans poste de travail et nous allons cliquer sur jeu XP. C'est parti. Alors, on a installé jeu Sega, on a installé l'autre là, l'autre disque. Nous allons faire compilation de jeux. C'est parti. Ok. Oh. Il va me faire quoi lui? Ok. Oula. Oh, on a énormément de jeux là. Attendez, on va en tester deux. On va tester deux jeux. Attendez. Catapult, Bomber, Bricks of Egypt, Defender. C'est quoi Defender? Ok, il est en train de lire le disque. Oh, Visual Mario, c'est quoi? Attendez, dans la veine de Super Mario, mais avec un personnage de South Park. 12 niveaux. Contrôle, flèche, espace, freeware. Installé. Ça prend 1 méga en plus. C'est vraiment pas beaucoup. Oula, attendez, ajouter une exclusion. On ne va pas mettre dans ces jeux, attendez. C'est où? Je sais pas c'est quelle langue ça par contre. Oh, trop bien! Attendez, on peut pas agrandir, dommage. Bon, attendez, je vais zoomer sur l'écran. Voilà. Focus. C'est bon. Oh mais c'est trop bien, on peut jouer à Mario, mais avec un personnage de South Park sur PC. Alors que c'est un jeu. Oh. J'allais dire, oh, alors que c'est un jeu Nintendo. C'est trop bien. Ouf. L'important, c'est pas de gagner, c'est de tester à chaque unboxing de jeu. Mort. Non? Attendez, je dégageais le curseur, voilà. Ok, on est bien là. Oula! Alors, il a mis quoi? High score. Moi, je suis où? Ah, je crois que je suis 1505. Wow! C'est bon. Nous allons faire mini-jeu et on va en choisir un. Non, le curseur il sert à rien. Duel de feu. Ah, on va faire duel de feu, allez. Ça se joue à deux. Non. Shift. Ah bah tiens, il y a quelqu'un qui est arrivé. Non? Non, il est pas arrivé. La Lucky tu attaques, Warrior Start. Péril du château, détruisez les cibles. Combat aérien, pas de course, battant en règle. Sauter au bon moment pour toucher les blocs. Ok, on va essayer. Oups. Ah! Oula, attendez. Allez-y. Non, j'arrive pas à toucher les blocs maintenant.
Oh, si. Ah ouais. Il reste 5 secondes. Allez, temps écoulé. Oula. C'est quoi cet écran? C'est quoi la touche pour accélérer? D? C'est la touche D pour accélérer, what the f... Attendez. Je vous mets comme ça. Je sais pas si ça va tenir par contre. Bon allez, on continue. Regardez comment c'est pixelisé. Mais moi l'important c'est de jouer au moins. Allez. C'est bon, pour l'instant ça fonctionne. On fait un tour. Ok. C'est bon. Si vous voulez acheter des millions de jeux XP plus tard, je vais essayer de trouver un lien et je vous mettrai en description pour ceux qui sont intéressés par ce jeu. Parce que franchement, ça vaut le coup vraiment. Je joue à des jeux qui normalement ne sont pas des jeux XP vraiment. Mais même, vous avez vu, on peut même jouer à Mario. Bon voilà, je l'ai eu pour 5€. En plus, il était tout neuf, je crois. Parce que l'état... impeccable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Franchement, j'ai travaillé vraiment beaucoup pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, la commentez, partagez les vidéos. Et surtout, faites-moi cette barre de like.